Bonjour, je vous présente un nouveau dialogue en français familier. Ce dialogue appartient à une série qui s'appelle « Le français comme on le parle vraiment ». Je suis Nathalie Porte et je vous propose de mieux comprendre le français familier, le français courant, oral, tel qu'il se parle habituellement par des francophones natifs. Aujourd'hui, je vous présente un dialogue qui s'appelle « Trop nul ce film ». Voyons de quoi il s'agit. Vous retrouvez les personnages que vous avez déjà découverts dans le dialogue numéro 2. Donc, il s'agit de Léa et Ali. Léa et Ali sont un jeune couple sans enfants. Ils travaillent tous les deux et vivent en ville. Où se passe ce dialogue? Devant une salle de cinéma. Léa et Ali viennent de voir un film et ils échangent entre eux sur ce qu'ils ont pensé de ce film. Leurs opinions sur ce film. Je vous propose un dialogue qui a de nombreux mots familiers. Ce dialogue est à vitesse réelle, c'est-à-dire que les personnages parlent tels qu'ils le font habituellement. Il n'y a pas de sous-titres, donc cela peut vous paraître un peu rapide. Je vous conseille de vous concentrer pour écouter ce dialogue une ou deux fois, pour essayer de comprendre de manière générale ce qu'ils sont en train de se dire. Ensuite, vous pourrez écouter des explications sur ce dialogue. Mais je vous conseille vraiment, avant d'écouter les explications, de vraiment faire l'effort d'écouter deux fois. Vous êtes prêts? On commence? Allons-y. Vraiment trop nul ce film. Ah ouais, un vrai navet. Payer un cinoche pour voir un film aussi nul, je suis dégoûté. Et en plus dans une salle crade. Oui, c'est dingue. Il pourrait nettoyer un peu entre deux séances. En plus, je crois que je vais tomber malade à cause de la clim. Moi qui voulais te faire plaisir avec ce film, c'est raté. Pourtant, la bande-annonce était super. En plus, il a gagné le César du meilleur film. Je comprends pas. J'étais sûre que ce serait un bon film. Franchement, c'est un film chiant. Ouais, moi aussi, je me suis ennuyée. J'ai trouvé la mise en scène super naze. Pareil. L'histoire est vraiment bateau, un homme rencontre une femme, il tombe amoureux, blablabla. C'est vrai que l'histoire n'est pas originale, mais il y a des acteurs super connus. Oui, mais les personnages et le scénario, ça ne va pas du tout. Ouais, t'as raison. Et la fin n'est pas crédible du tout. Ouais, c'est une fin complètement bidon. On n'y croit pas une seconde. Et la musique, elle est vraiment ringarde. Ah oui, une musique d'ascenseur, nulle. Je suis tellement déçue, tu voulais me faire plaisir et on a passé une soirée merdique. Tant pis, la prochaine fois, c'est moi qui choisis le film. Je suis sûre qu'il y aura des histoires de flics et des courses de bagnoles. Ben oui, un bon policier. D'accord, on va bien choisir le réalisateur cette fois. Et pas un film qui fout trop la trouille, s'il te plaît. T'inquiète, avec des acteurs canons. Voilà, c'est ça, t'as tout compris. Voilà pour ce dialogue. Vous l'avez compris? Vous avez compris l'essentiel? Vous avez compris qu'ils n'ont pas aimé le film? Aucun des deux n'a aimé le film. Ils ont beaucoup de critiques à formuler sur ce film. Je vais reprendre le dialogue, phrase par phrase, et vous expliquer en particulier les mots familiers. Allons-y. Ali, vraiment trop nul ce film. Léa, ah ouais, un vrai navet. Trop nul, dans le langage familier, on l'utilise beaucoup. En fait, le trop signifie plutôt très, très nul. C'est comme s'il disait, il est vraiment très nul ce film. Trop nul. Et Léa, ah ouais, un vrai navet. Alors, un navet, c'est un film qui est très mauvais. Donc, c'est vraiment du vocabulaire spécifique pour le cinéma. D'accord? Pour un film, ou un film à la télévision aussi. Donc un film très mauvais est un navet. Un navet est un légume en français, mais là, rien à voir. C'est un film très mauvais. Ali, payer un cinoche pour voir un film aussi nul, je suis dégoûtée. Léa, et en plus dans une salle crade. Donc un cinoche, c'est le mot familier pour dire un cinéma. Donc, soit on l'utilise pour parler de la salle de cinéma, le lieu où vous allez au cinéma, donc un cinéma, ou alors une séance de cinéma aussi. Donc là, dans ce cas, Ali parle de payer un cinoche, il parle de payer une séance de cinéma.
Pour voir un film aussi nul, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée signifie je suis écœurée, je suis déçue. Et Léa est en plus dans une salle crade. Crade, donc en langage familier, veut dire sale. Ouais, c'est dingue. Il pourrait nettoyer un peu entre deux séances. Léa, en plus, je crois que je vais tomber malade à cause de la clim. Oui, c'est dingue. Donc, c'est dingue est une expression que je vous ai déjà expliquée, hein, il me semble, qui signifie c'est fou, c'est incroyable. Donc, vous pouvez le dire dans un sens positif, hein, mais aussi dans un sens négatif. Hein, donc, quand vous appréciez quelque chose, mais aussi quand vous critiquez. Il pourrait nettoyer un peu entre deux séances. Donc, les séances, hein, c'est les horaires de projection d'un film. Hein. Donc, par exemple, il y a un film projeté à 20h et il y a un autre film ou le même film à 22h, par exemple. C'est des séances. Si vous avez besoin de mieux comprendre le vocabulaire du cinéma, j'ai fait récemment une vidéo qui s'appelle « Parler du cinéma en français ». Le lien s'affiche maintenant. Donc, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Vous comprendrez beaucoup mieux tout le vocabulaire du cinéma. Et entre autres, vous allez apprendre « séance ». Je continue. Léa. En plus, je crois que je vais tomber malade à cause de la clim. La clim, c'est la climatisation, l'air conditionné. Hein, le système qui permet de rafraîchir une pièce quand il fait très chaud. Ali, moi qui voulais te faire plaisir avec ce film, c'est raté. Léa, pourtant la bande-annonce était super. En plus, il a gagné le César du meilleur film, je ne comprends pas. J'étais sûre que ce serait un bon film. C'est raté, dans cette phrase, il veut signifier en fait « je n'ai pas réussi ce que je voulais faire ». Ce que j'avais l'intention de faire. La bande-annonce, donc, dans la vidéo concernant le cinéma, j'explique que ce sont les extraits du film qui sont utilisés pour la promotion au moment de la sortie du film. Le César du meilleur film, donc le César est une récompense, ce sont des récompenses, les Césars, chaque année, c'est les récompenses du cinéma français, donc on décerne des prix, des récompenses. Ali, franchement, c'est un film chiant, un film ennuyeux. Oui, moi aussi, je me suis ennuyée. J'ai trouvé la mise en scène super naze. Donc, naze, ça veut dire très nul, hein, très nul. Le mot naze peut s'écrire avec un S ou avec un Z, vous avez le choix. Pareil. Donc là, dans ce cas, elle veut dire en fait qu'elle pense la même chose que Ali. Je pense comme toi. Je pense la même chose. L'histoire est vraiment bateau. Quelque chose qui est bateau, ça veut dire quelque chose qui n'est pas original, qui est banal, qui manque d'originalité. Quelque chose de classique, mais dans un sens négatif. Un homme rencontre une femme, il tombe amoureux, blablabla. C'est vrai que l'histoire n'est pas originale, mais il y a des acteurs super connus. Oui, mais les personnages et le scénario, ça ne va pas du tout. Léa, ouais, t'as raison. Donc, le « ouais » est très utilisé pour dire « oui ». Donc, ça veut dire la même chose, bien sûr, le « ouais » est familier. Et « tu as raison », souvent dans le langage oral et familier, on dit « t'as raison ». Donc, cette écriture, T'AS, attention, c'est une transcription du langage oral, mais ce n'est pas correct, ce n'est pas l'orthographe correcte, d'accord ? Et la fin n'est pas crédible du tout. Ali, ouais, c'est une fin complètement bidon. Donc, quelque chose qui est bidon, c'est quelque chose qui est nul, ou alors quelque chose qui est faux, parfois. Donc là, dans ce cas-là, quand il dit c'est une fin bidon, c'est ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y croit pas. Il dit juste après, on n'y croit pas une seconde, ça veut dire on n'y croit pas du tout. Donc là, il veut dire que c'est une fin qui est bizarre, qui est étrange, qui n'est pas crédible, qu'on ne peut pas croire. D'accord ? Je continue. Et la musique, elle est vraiment ringarde. Donc, ringarde signifie, enfin, ringard au masculin, ringarde au féminin, signifie démodé, quelque chose qui n'est plus à la mode. On pourrait dire aussi qui n'est plus tendance. Ali, ah oui, une musique d'ascenseur, nulle. Léa, je suis tellement déçue. Tu voulais me faire plaisir et on a passé une soirée merdique.
Donc, merdique, être familier pour dire nul, mauvais. Donc là, elle veut dire que la soirée a été mauvaise, la soirée a été nulle. Tant pis. Donc, tant pis, on l'exprime en fait, on le dit quand il y a une situation négative. C'est comme si l'on disait c'est dommage. Ces deux expressions, tant pis et c'est dommage, s'utilisent face à une situation négative et on exprime la résignation. Hein. C'est pas forcément, par exemple, une situation où, qui n'est pas vraiment positive, mais bon, ce n'est pas très très grave. Vous allez dire tant pis, ce n'est pas grave. La prochaine fois, c'est moi qui choisis le film. Léa, je suis sûre qu'il y aura des histoires de flics. Donc les flics, hein, ce sont les policiers. Et des courses de bagnoles, les voitures, hein, dont deux mots familiers très courants. Que vous trouvez dans une vidéo précédente d'ailleurs sur les 20 mots familiers les plus courants en français, hein, que je vous encourage à regarder. Ali, ben oui, un bon policier. Ici, hein, quand il dit un bon policier, il ne parle pas d'une personne, il parle du genre de film, du genre cinématographique. Hein, j'en parle aussi dans ma vidéo « Parler du cinéma en français ». Donc là, ce qu'il veut dire, un bon film policier. Léa, d'accord, mais on va bien choisir le réalisateur cette fois. Et pas un film qui fout la trouille, qui fout trop la trouille, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, qui fout la trouille, foutre la trouille, ça veut dire faire peur, hein, donc qui provoque la peur, hein, qui cause la peur. S'il te plaît. Donc là, je l'ai écrit, évidemment, c'est pas l'orthographe correcte, hein, l'orthographe correcte est s'il te plaît. Très souvent dans le langage oral et familier, on dit s'il te plaît. S'il te plaît, on fait une contraction. Hein, donc, encore une fois, cette orthographe ici n'est pas correcte, hein, c'est une transcription du langage oral. Ali, t'inquiète, et avec des acteurs canons. Canon, ça veut dire très beau, quelque chose qui est très beau, une personne très belle est une personne canon. Léa, voilà, c'est ça, t'as tout compris. Tu as tout compris. Hein, là encore, c'est une contraction de « tu as ». Voilà. Et vous, vous avez tout compris? J'espère. N'hésitez pas à réécouter ce dialogue après les explications, à vitesse normale, pour voir si ça vous paraît plus clair. Ne vous inquiétez pas si certaines formulations vous paraissent très difficiles à comprendre, très difficiles à entendre même. C'est une question d'habitude et de pratique. Donc, je vous encourage à écouter régulièrement du français authentique, du français courant et familier, pour vraiment vous habituer à ce type de langage. Maintenant, si vous voulez bien, vous pouvez répondre à un quiz qui se trouve dans l'article. Donc, cliquez sur l'article qui s'affiche maintenant et vous pourrez évaluer ce que vous avez compris et mémoriser de cette vidéo. Je vous encourage à le faire, hein, c'est un moyen pour bien vous assurer de ce que vous avez compris. Voilà, si vous souhaitez plus de vidéos sur le langage familier, je vous rappelle que toute la série est accessible donc sur la chaîne YouTube et qu'il y a une playlist, une liste de lectures qui s'appelle Le français familier. Il y a de nombreuses vidéos, je vous encourage à les regarder, vous apprendrez beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur « j'aime » et à la partager avec vos amis si elle vous a intéressé. Vous pouvez aussi me poser des questions, me faire un commentaire. Je vous réponds avec grand plaisir. À très, très bientôt. Au revoir.